Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire. Parle-moi, il y a un souci. Dis-moi ce que c'est. C'est mon grand-père qui a chopé le virus et il veut pas se soigner. Je suis désolé. Mais justement, écoute, fais quelque chose de positif pour lui. Pour tes proches, les voisins, je sais pas moi, et arrête avec les réseaux sociaux. Une bonne fois pour toutes, et ouvre les yeux sur le monde. Et surtout, arrête de penser à rien. Allô? Oui, je disais, arrête de penser que tu vaux rien. Ouais. Et toi, mis à part donner de belles leçons, tu fais quoi concrètement? Moi, ça fait 3 jours que je travaille à l'hôpital du coin, là. Je me suis fait embaucher comme aide-soignant bénévole. Et ce que je vois, c'est... Je sais pas, j'ai... Enfin, jamais j'ai vu ça. Même au cinéma. À chaque fois que je passe la porte de l'hôpital, j'ai peur de devoir choisir entre 2 patients, j'ai peur de voir des morts. Voilà, c'est ça la réalité. Attends, excuse-moi, faut que je te laisse, là. Ouais. Je t'embrasse. Pour le transport des 2 victimes. Ambulance Alpha le police, vous transportez les 2 victimes au CHU, au service COVID-19. Je répète, service COVID-19, nous prenons service de votre arrivée. Aujourd'hui, je ne veux parler que d'amour, de générosité, de partage et d'attention aux autres. Bien figurez-vous qu'en ce moment même, il y a des propriétaires d'appartements vides ou de maisons vides qui accueillent chaque jour des soignants gratuitement pour les rapprocher de leur lieu de travail. Oui, il y a des milliers aussi de bénévoles qui fabriquent des masques en tissu pour le personnel hospitalier de leur région. Et puis, dans des banlieues dites difficiles, eh bien, il y a des dizaines de jeunes qui vont faire les courses pour les personnes âgées de leur quartier. Et des initiatives solidaires comme ça, il y en a énormément. Et ça me donne envie de partager avec vous une phrase qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux, une phrase extrêmement inspirante qui dit « N'oubliez pas que chacun d'entre nous représente le changement. Si nous changeons, le monde change. » Si nous changeons... Pensez-y, méditez là-dessus. Le bonheur, vous savez, c'est peut-être aussi simple que de faire le bien autour de soi. Réfléchissez-y. Allez, c'est... Deuxième avertissement.
Si nous changeons, le monde change.